Partez à l'aventure par tous les temps, en suivant la météo avec nouveau SUV Citroën C5 Aircross et son volume de coffre jusqu'à 720 litres. Citroën. Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin mytho, celui du vendredi 20 décembre, journée internationale du pull de Noël. Et oui, on est en plein dans l'actu, en attendant les fêtes de fin d'année, et bien on va retrouver un temps maussade pour ce vendredi à quelques heures du week-end ou peut-être même des vacances pour les plus chanceux d'entre vous. Alors en détail, de la pluie sur l'ensemble de la région avec un mercure très doux entre 9 et 12 degrés, 9 degrés pour la Côte d'Opale, 10 degrés pour Arras, 11 pour Saint-Quentin ou encore du côté de Château-Thierry, 1 degré de plus pour la métropole illoise. À noter également un renforcement des vents entre 70 et 80 km/h. La suite de votre journée, eh bien c'est globalement le même programme météo avec toujours de la pluie, quelques éclaircies entre deux averses. Également les températures plutôt stationnaires avec 10 degrés pour Château-Thierry ou encore du côté de Laon, 11 degrés à Péronne, Amiens ou encore pour Hénin-Beaumont, idem du côté de Stenvoort pour la journée de samedi. Eh bien bonne nouvelle messieurs dames, on va pouvoir en profiter, parfait pour en commencer ce week-end avec le retour de belles éclaircies. Quelques nuages pourront circuler, mais ils resteront inoffensifs. Une toute petite baisse du mercure avec 8 degrés, notamment du côté de Valenciennes ainsi que pour Fourmies, idem à Boulogne-sur-Mer, 9 degrés à Tourcoing, à se partager avec Abbeville. Et enfin, pour la journée de dimanche, eh bien on va de nouveau retrouver un temps un peu plus maussade avec pas mal de grisailles, mais également quelques ondées et un mercure entre 9 et 10 degrés. Et en ce 20 décembre, je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée et je vous dis à très vite. C'était la météo avec nouveau SUV Citroën C5 Aircross et son volume de coffre jusqu'à 720 litres.